Après 2 ans d'exécution du protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations et la société MG Phoenix International, le directeur général de la pièce vient ici s'enquérir du déroulement des activités de l'entreprise au Bénin. La visite d'aujourd'hui avait pour objectif de se rendre compte concrètement sur le terrain du chemin qui a été parcouru, de valider le fait que des éléments du protocole qu'on avait signé avaient des engagements fermes de la part de Philippe Robert, directeur général de Phoenix, notamment en ce qui concerne la création d'emplois, de voir sur le terrain si ces engagements ont été, je dirais, respectés, s'il n'y a pas de difficultés qui ont conduit à ce que la réussite de ces engagements puisse être différée. Et donc, nous, on est heureux aujourd'hui de constater que le document que nous avions signé en 2018, qui prévoyait à peu près 900 créations d'emplois, sur la période de 2 ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on est au-delà, largement au-delà. Et donc, pour nous, c'est une excellente chose parce que, j'ai dit tout à l'heure, la finalité, en fait, de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Nous sommes pleinement satisfaits parce que sur le plan quantitatif, ça se passe bien, on est au-delà, en fait, des objectifs. Sur le plan qualitatif également, nous avons vu une entreprise où il y avait beaucoup de jeunes, une entreprise jeune. Et je n'ai pas eu l'impression que ces jeunes étaient mal dans leur peau. Ils sont complètement épanouis et on sent qu'ils sont à leur affaire dans ce type d'entreprise. Phoenix International a pour principale activité la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage. En 22 mois d'existence ici au Bénin, l'entreprise a déjà créé 1200 emplois. Je pense que nous avons tenu notre objectif sur les emplois créés, puisque nous avons créé plus que d'ailleurs ce que nous avions dit dans le protocole. Nous avons 1000 conseillers confort solaire sur le terrain et bientôt 900 salariés. Mais la contrepartie a été là également. Les études ont prouvé il y a 2 ans que le Bénin avait développé une politique d'accueil favorable pour les investisseurs étrangers. Et donc, ça a été un facteur assez déterminant pour pousser Phoenix Bénin à s'implanter durablement sur le pays. Et aujourd'hui, nous avons un taux de satisfaction de plus de 90% de nos clients quant aux produits proposés, produits qui sont garantis 3 ans. Donc la batterie, le panneau est garanti 3 ans, les accessoires sont garantis 2 ans. Et nos clients donc expriment leur satisfaction vis-à-vis de Phoenix à hauteur de 90%. C'est un excellent score. L'objectif du gouvernement et de son bras opérationnel, la pièce, est de créer un climat favorable pour les investisseurs au Bénin pour plus d'emplois aux jeunes. Et sur le terrain, Phoenix International s'illustre de fort belle manière.